s'intitule « Comment l'histoire des sciences s'écrit-elle et comment s'édite-t-elle ?» Donc, quatre interventions qui vont s'enchaîner, puis un débat général. On va commencer avec Wolf Feuerhahn, qui donc, est un homme orchestre de cette journée et qui va intervenir sur l'édition, donc un propos un peu plus général. Puis, en fait, trois études de cas. Voilà, donc vous verrez la suite après. Donc, il faut que je mette le micro peut-être dans le... Je vais essayer de satisfaire aux réquisites technologiques. Non, ça m'est égal. Merci beaucoup, merci Anne. Bon, en fait, l'idée, quand on a réfléchi, si je ne trahis pas la réflexion qu'on avait eue en amont, à ces questions, c'était d'avoir des focales variées sur cet objet d'histoire des sciences. Et donc, Héloïse et Anne étaient intéressées par un projet que nous avons monté à trois, avec Emmanuel Bertrand à ma gauche et Valérie Ténière, historienne des pratiques éditoriales, autour de cet objet singulier qui est l'histoire des sciences. Donc l'idée, c'était d'essayer d'objectiver le domaine avec une focale particulière qui est celle de l'histoire du livre et de l'édition. Voilà. Certains d'entre vous, dont ma collègue à droite, Raphaël, etc., sont engagés dans le projet également. Donc je vais juste vous présenter un petit peu comment est-ce qu'on a conçu cette idée et pourquoi ça nous paraissait heuristique que de s'interroger sur les pratiques éditoriales pour comprendre quelque chose à notre petit monde, puisque tel il a été nommé, je garde l'expression. En gros, c'est pour le qualifier, ne serait-ce que si on reste sur une vision française, le monde de l'histoire des sciences est un monde faiblement institutionnalisé, avec peu de chair, avec des parcours d'individus très variés. Les gens viennent d'histoire, viennent de philosophie, viennent des sciences sociales, mais viennent aussi de toutes les sciences, et c'est pas la même chose que de venir de biologie, de physique, de l'histoire naturelle, d'être taxinomiste au départ, ou d'être venir de la physique nucléaire, etc. Et arrive par des voies détournées, de manière plus ou moins directe, par le biais de formation ou d'auto-formation, etc., à ce qui n'est pas vraiment une discipline, même s'il y a une section du Conseil national des universités, même si on peut faire un doctorat en histoire des sciences, et qu'il y a quelques centres d'histoire des sciences, voilà. Mais c'est plus un domaine au contour flou, varié, etc., qui en plus s'autodénomme de manière variée en fonction de aussi son appartenance initiale. Est-ce qu'on est philosophe, historien, sociologue, etc.? On va peut-être pas l'appeler pareil. Certains vont dire science studies, d'autres vont dire histoire des techniques, d'autres vont dire épistémologie, histoire des sciences, d'autres vont dire philosophy of science, pour le dire en anglais, etc. Et ça va donner lieu à des pratiques très variées, des enjeux différents, etc. Et donc il nous semblait que le prisme éditorial pour manifester à la fois ce qui est peut-être quand même un monde commun et en même temps cette variété pouvait être intéressant. Avec l'idée de varier les supports d'investigation, c'est-à-dire s'interroger à la fois sur les périodiques, s'interroger sur les publications, les collections, les monographies, les grandes synthèses, les ouvrages de synthèse, etc. Ça indique beaucoup de choses, notamment sur le découpage du domaine, les différentes approches, le panthéon de ce domaine, les objets d'investigation privilégiés, au contraire les angles morts, etc. Et évidemment, ça ouvre à tout le rapport avec la société, parce que le monde éditorial de l'histoire des sciences, ce n'est pas uniquement la collection Galien de Canguilhem au PUF. C'est une des manifestations, mais c'est aussi les éditions Le Pommier et Michel Serres sur toutes les radios, les Gilets jaunes notamment, mais pas seulement. Donc c'est tout ça, le monde éditorial.
c'est pas à segmenter, à sectoriser. Il ne s'agit pas de créer des frontières. Il s'agit au contraire de voir la variété des investigations, des usages, des appropriations, des mobilisations, etc. Et donc, sur ce, ça c'est pour le projet dans son ensemble. Voilà comment on l'a conçu. Et donc, avec une investigation sur les différents types de supports. Aussi, évidemment, la canonisation de certains sous-espaces. Raphaël en a parlé ce matin. Cette fameuse césure entre histoire de la médecine et histoire des sciences. Alors, on peut l'aborder par les chaires. On peut l'aborder par les postes le cours, qui ont d'abord été créés en fac de médecine, mais on peut aussi l'aborder par l'espace éditorial en regardant que il y a un monde spécifique qui est celui de l'histoire de la médecine, qui a longtemps fonctionné de manière relativement autochtone, souvent pratiqué par des médecins au départ, etc. J'en parle beaucoup moins bien que d'autres ici, notamment Raphaël, mais en tout cas, ça peut être intéressant de voir. Et puis, la remobilisation de cela. Typiquement, voilà, on crée une collection Galien, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout d'un coup, pour un philosophe, ça paraît particulièrement intéressant de s'intéresser à la médecine, parce que la médecine, pour le philosophe en question, en l'occurrence Coguilhem, ce n'est pas tellement une science, mais c'est plutôt une technique. Et que justement, comme c'est une technique, ça interroge précisément la normativité des pratiques savantes. Et leur cadrage, leurs effets performatifs et leur inscription parfois dans des normes politiques, policières, etc. Plus larges. Voilà. Donc c'est aussi le moyen de rendre compte de ça. Juste deux, trois mots, parce que je ne veux pas être trop long, sur un autre type d'objet auquel on s'est intéressé, auquel je me suis intéressé particulièrement avec Valérie Ténière. C'est celui de ce qu'on a appelé, faute de mieux, les grandes synthèses, c'est-à-dire ces ouvrages collectifs publiés périodiquement et qui font quelque part exister le domaine ou qui au moins en donnent un affichage. Est-il réel ou pas ? Exclut-il des choses ? Sûrement, des acteurs, des approches, etc. Mais bon, ça nous a semblé intéressant de regarder un peu. Et donc, on a regardé l'histoire de la Pléiade par Maurice Doma en 1957. On a regardé les 5 volumes au PUF dirigé par René Tatton entre 58 et 64 à peu près. Puis on a regardé les éléments d'histoire des sciences que connaît bien Bernadette de Michel Serres en 89. Puis on a regardé les lieux de savoir de Christian Jacob fin des années 2000, 2007, 2011 je crois. Et puis on a regardé l'histoire des sciences et des savoirs dirigé par Dominique Pestre au Seuil en 3 volumes récemment. Et donc là, c'est très intéressant parce que ça fait voir, ça n'est nullement une image, un reflet de l'intégralité de la profession, de toutes ses variantes, etc. Mais d'où l'intérêt, nous semblait-il, de la contextualisation, ce sont certaines entreprises qu'il s'agit précisément de contextualiser, de voir comment elles sont nées dans certaines configurations, avec certains acteurs, certaines problématiques, certains cadrages, certains objets, etc. Et qui font voir une certaine conception de l'histoire des sciences, excluant ou pas l'histoire des techniques, incluant ou pas les autres civilisations, pour parler comme René Tatton dans les années 60, s'arrêtant ou pas avant le contemporain, incluant le contemporain, excluant l'antique, pour l'histoire des sciences et des savoirs, par exemple, de Dominique Pestre au Seuil, etc. Forgeant le format, calquant son format sur des entreprises déjà de l'éditeur ayant déjà eu cours, typiquement l'histoire des sciences et des savoirs de Dominique Pestre en 2015, c'est la formule, la triade, la troïka des 3 volumes qui est une habitude du Seuil. Voilà, bah, ils ont un format 3 volumes, alors ils ont fait l'histoire de la France rurale, l'histoire burguière de la famille, la vie privée, du corps. Vous avez tous des exemples en tête, et bon, à un moment, il y avait l'histoire des sciences et savoirs. Et donc ça c'est intéressant, voilà. Bon. Et puis alors que évidemment chez Tatton les choses se configuraient de manière très différente.
avec parfois des références ou pas à ces œuvres canoniques antérieures, ce qui permet de voir leur inscription dans un champ revendiquée ou pas. Typiquement, c'est une décision de notre part d'inclure les lieux de savoir dans cette liste, parce que on a là quelqu'un, Christian Jacob, qui vient des lettres classiques, pour parler en discipline traditionnelle française, qui, venant des lettres classiques, mais dans le milieu de Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet, s'ouvre à une anthropologie des savoirs antiques ou une anthropologie du monde antique très large. Voilà, ça ne lui fait pas peur, les savoirs, hein, parce que c'est, finalement, c'est rien par rapport au monde antique. Et puis qui va s'intéresser aux savoirs, qui va lire énormément de la tour et qui va mobiliser tout ça et avoir une vision extrêmement large de ce qu'il entend par savoir, des savoirs traditionnels des sociétés non occidentales jusqu'au savoir expert hyper contemporain. Donc voilà, donc ça donne une image, sûrement pas la seule qu'on puisse avoir, des reconfigurations, des transformations de ce domaine. Évidemment, il faudrait que j'ajoute, pour finir, parce qu'il ne faut pas que j'empiète sur la parole de mes collègues, que être l'auteur ou l'éditeur de tel type d'ouvrage, c'est aussi une consécration. Alors, comment s'opère cette consécration? Pourquoi on a choisi X ou Y? Comment ça s'est fait? Pourquoi l'éditeur se tourne vers tel ou tel auteur? Est-ce que c'est parce qu'il y a un lien déjà antérieur avec l'éditeur? Et puis, à quel moment de la carrière ça se fait? Pour Taton, ça se fait plutôt en début de carrière. Et c'est Bachelard qui fait l'entremise parce qu'il est au PUF. Pour Dominique Pesse, c'est en fin de carrière. Donc, ça donne pas lieu au même type de choses, au même type de production, au même type de manifeste en préface et en conclusion, etc. Donc la parole est à Emmanuel Bertrand, qui est maître de conférence à l'ESPCI et attaché au centre Coeré. Merci Anne. Surtout merci à Anne et merci à Héloïse. Ah oui. Bon, ça va. Merci Anne et Héloïse pour cette invitation. Je vais vous parler d'une étude de cas autour de Gallimard. En tant que discipline académique, l'histoire des sciences est institutionnalisée tardivement, en France tout particulièrement. Néanmoins, avant même de pouvoir compter sur des centres de recherche dédiés ou sur des formations universitaires spécifiques, l'histoire des sciences a fait l'objet d'une diffusion par le biais de l'écrit, qu'il s'agisse de revues savantes ou de livres. Je m'intéresserai ici à la place de l'histoire des sciences au sens le plus large possible, chez un grand éditeur généraliste, Gallimard. Les éditions Gallimard ne sont guère connues pour être un lieu de publication dédié à l'histoire des sciences au sens large, comme en témoigne le fait qu'aucune des 378 collections et revues qui ont jalonné l'existence de cette maison d'édition depuis 1911 ne s'est consacrée explicitement à ce domaine d'études. Il importe d'abord de préciser ce que j'appelle histoire des sciences au sens large. L'idée est de qualifier ainsi l'ensemble des études issues du champ des sciences humaines et sociales qui prennent les sciences pour objet d'investigation, quelles que soient les approches utilisées pour le faire. Cela comprend donc à la fois l'histoire des sciences au sens strict, la philosophie des sciences, la sociologie des sciences, l'anthropologie des sciences, ou encore tout mélange de ces approches. Dans la suite de mon intervention, j'utiliserai désormais l'expression simple « histoire des sciences » pour désigner cette histoire des sciences au sens large. J'ai choisi de faire débuter mon enquête à l'année 1962, car c'est la première année du deuxième demi-siècle d'existence de la maison d'édition, créée en 1911. Surtout, l'année 1962 est marquée, chez Gallimard, par la création d'une nouvelle collection non littéraire, intitulée « Idées », dirigée par François Herval, et dont nous verrons qu'elle a accueilli un grand nombre d'ouvrages d'histoire des sciences. Quant à l'année de fin de l'enquête, 2011, il s'agit tout simplement de l'année du centenaire de Gallimard. Pour étudier ce corpus qui n'apparaît jamais explicitement dans les catalogues des éditions Gallimard, je me suis appuyé principalement sur trois types de sources. Le catalogue Gallimard du centenaire, les archives des éditions Gallimard et des entretiens réalisés avec quelques acteurs importants de la maison d'édition. L'approche initiale a consisté, à partir du catalogue Gallimard, à identifier les différentes collections susceptibles d'accueillir des ouvrages d'histoire des sciences, puis à faire l'inventaire précis, dans chacune de ces collections, des ouvrages relevant effectivement de l'histoire des sciences. Revenons d'abord très brièvement sur le premier demi-siècle d'existence des éditions Gallimard. Tout commence en 1908 avec la création de la Nouvelle Revue Française, revue littéraire plus connue sous le nom de NRF, par un petit groupe de six écrivains dont l'aîné et le plus célèbre est André Gide.
À la suite de problèmes de trésorerie et de gestion, survenus rapidement, les fondateurs de la NRF décident de recruter un gérant disposant d'importants moyens financiers et de créer une maison d'édition associée à la revue. Le choix se porte sur Gaston Gallimard, fils d'un célèbre collectionneur de tableaux et passionné de littérature. Ce dernier se voit donc intronisé en mai 1911, gérant des éditions de la NRF, une nouvelle maison d'édition qui n'a d'abord comme ambition que d'être une filiale de la revue du même nom. Au sortir de la guerre en 1919, le comptoir d'édition de la NRF prend une nouvelle ampleur et devient la librairie Gallimard. La première collection de Gallimard réellement pertinente pour le domaine qui nous intéresse est la collection L'Avenir de la Science, active de 1936 à 1968 et dirigée par le biologiste et historien des sciences Jean Rostand. Ce dernier partage sa vie professionnelle entre les métiers de chercheur en biologie et d'auteur et éditeur de vulgarisation scientifique. Sa collection regroupe des ouvrages synthétiques de vulgarisation, la plupart du temps écrits par des scientifiques qui, souvent, complètent la vue d'ensemble de leur domaine par un panorama historique de celui-ci. Pendant ses premières années, la collection est presque exclusivement dédiée à la biologie, puis elle se diversifie progressivement en intégrant notamment un peu de mathématiques et beaucoup de psychologie. Il faut également mentionner la collection Encyclopédie de la Pléiade, créée en 1956 et dirigée jusqu'à sa mort en 1976 par Raymond Queneau, auteur de fiction des éditions Gallimard et passionné de science. La plupart des volumes de l'Encyclopédie de la Pléiade ne se contentent pas de dresser un tableau exhaustif des connaissances d'un domaine, mais s'efforcent en plus d'en retracer les développements historiques et peuvent donc à ce titre être considérés comme des ouvrages d'histoire des sciences au sens large. Mentionnons en particulier le volume de 1962 pages, publié en 1957 sous la direction du chimiste et historien français Maurice Doma, Histoire de la science, des origines au XXe siècle, ouvrage déjà mentionné par Wolf. Bien que réservé à un public cultivé, cet ouvrage a été vendu à plus de 32 000 exemplaires à ce jour, ce qui est un nombre très important pour un tel ouvrage. Pour le deuxième demi-siècle, donc entre 1962 et 2011, d'existence des éditions Gallimard, je propose de commencer par une analyse quantitative du paysage éditorial dessiné par les diverses collections de la maison. J'ai dénombré 11 collections pertinentes pour l'étude de la place occupée par l'histoire des sciences chez Gallimard dans la période. Ces collections sont regroupées dans le tableau que vous voyez ici, qui renseigne pour chaque collection sur ses dates d'existence, ses directeurs successifs, ainsi que sur le nombre de livres considérés comme relevant du champ de l'histoire des sciences au sens large et sur le nombre total de livres publiés pendant la période étudiée. D'un point de vue purement quantitatif, on remarque que les ouvrages d'histoire des sciences représentent 152 livres, pour un total d'environ 1500 livres inédits publiés dans la période, soit environ 10% de la production éditoriale totale de l'ensemble de ces 11 collections non littéraires. Il apparaît donc clairement que l'histoire des sciences est loin d'occuper une place anecdotique dans la production non littéraire des éditions Gallimard dans la période étudiée. Néanmoins, on comprend aussi aisément que cette production éditoriale en histoire des sciences dispose d'une très faible visibilité, tant elle est dispersée dans un grand nombre de collections aux contours bien plus larges. L'année 1962, première année de ma période d'études, est marquée par la création de la collection Idées, première collection française non littéraire au format de poche, qui sera dirigée par François Herval jusqu'à la fin de la collection en 1985. Né en 1914, François Herval est un journaliste, éditeur et traducteur d'origine hongroise. La collection Idées correspond à une double volonté de développer la diffusion de textes non littéraires de référence et, surtout, de mettre en place via le format de poche une politique de prix permettant un très large accès du public à ces textes et ainsi de générer d'importants bénéfices commerciaux pour la maison d'édition. Parmi les quatre premiers ouvrages de la collection, parus début 1962, on note « La nature dans la physique contemporaine » du célèbre prix Nobel de physique Werner Heisenberg. Véritable succès commercial, cet ouvrage en est aujourd'hui à 117 000 exemplaires vendus. Le catalogue thématique et alphabétique par auteur de 1977-78 de cette collection est très intéressant. Il fait état de 382 livres publiés et les classe selon les thématiques suivantes. Littérature, philosophie, sciences, sciences humaines, idées actuelles, art et chroniques. Aucune place explicite n'est donc faite à l'histoire des sciences. Et son statut est particulièrement ambigu, dans la mesure où l'on en trouve quelques titres dans la thématique philosophie et dans la thématique sciences humaines, mais où la majorité émarge malgré tout à la thématique science. Ceci témoigne d'une véritable difficulté pour les éditions Gallimard à décider si l'histoire des sciences est une sous-discipline des sciences ou des sciences humaines. Chez Gallimard, l'année 1965 marque l'arrivée d'un nouvel acteur, Pierre Nora, qui va rapidement devenir le personnage clé pour l'ensemble du secteur des sciences humaines, et en particulier, même si ce n'est pas de façon explicite, pour l'histoire des sciences. En 1965,
Claude Gallimard se met en effet en quête d'un éditeur pour étayer et coordonner sa production non littéraire en la plaçant au plus près de l'évolution du système académique. Son choix se porte sur l'historien Pierre Nora, né en 1931. Ce dernier lance, dès 1966, la collection Bibliothèque des sciences humaines, qui est un véritable succès commercial, à la grande surprise de l'intéressé qui confie aujourd'hui, je cite Pierre Nora, « J'avais été engagé pour apporter du prestige, et j'ai aussi apporté de l'argent. Je suis donc passé pour avoir la main d'or, mais c'était l'époque plus que moi. » Fin de citation. Rapidement, les responsabilités éditoriales de Pierre Nora chez Gallimard s'élargissent, et deux collections supplémentaires tombent dans son escarcelle, la Bibliothèque des idées en 1968 et la Bibliothèque de philosophie en 1969. Enfin, en 1971, il lance la Bibliothèque des histoires. Pierre Nora devient donc rapidement le véritable chef d'orchestre des sciences humaines chez Gallimard. À la tête des quatre collections Bibliothèque 2, auxquelles il faut ajouter la collection Les Essais, il est jusqu'en 1988 et l'arrivée d'Éric Vigne presque seul maître à bord du secteur des sciences humaines de la maison d'édition, si l'on accepte la chasse gardée de la collection de poche Idées de François Herval. Interrogé aujourd'hui sur la place de l'histoire des sciences chez Gallimard et sur la politique éditoriale correspondante, Pierre Nora reconnaît bien volontiers qu'il n'a jamais vraiment mis en place de politique éditoriale dans ce domaine. Conformément à ce qui s'est toujours fait chez Gallimard dans le secteur littéraire, c'est davantage une politique d'auteur au cas par cas qui a été développée dans le secteur des sciences humaines. Passons maintenant au troisième acteur le plus important aux côtés de François Herval et Pierre Nora pour l'édition des sciences humaines chez Gallimard dans cette période, Éric Vigne. Philosophe et historien de formation, Éric Vigne, au moment où il rejoint Gallimard en juin 88, a déjà une carrière substantielle d'éditeur derrière lui. À son arrivée chez Gallimard, sa première mission est de fonder une nouvelle collection, NRF Essais, pour prendre la suite de la vieille collection de 1931, Les Essais, qui n'est alors plus très active. Parmi les 168 livres que publie Vigne entre 88 et 2011, dans la collection NRF Essais, on dénombre environ 17 titres qui appartiennent au domaine de l'histoire des sciences. Reste à savoir si la place de l'histoire des sciences dans l'ensemble de ces 11 collections relève d'une quelconque politique éditoriale. Comme celle de Nora, la réponse de Vigne est clairement négative et il s'en explique comme suit, je le cite, « Il n'y a aucune rationalité, c'est simplement le fruit de circonstances, de curiosités, de rencontres. » Que conclure de cette étude à propos de la place de l'histoire des sciences chez Gallimard? Tout d'abord, il est indispensable de bien garder à l'esprit que les éditions Gallimard sont et restent avant tout des éditions littéraires. Il faut ici insister sur le fait que les chiffres de vente du secteur littéraire sont incommensurables avec ceux du secteur des sciences humaines. En 2011, par exemple, les tirages du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry pointent à plus de 13 millions, ceux de L'Étranger de Camus à plus de 10 millions, ou encore ceux de L'Élégance du Hérisson de Muriel Barbery, donc un exemple plus contemporain, à plus de 2 millions. En comparaison, les meilleurs chiffres de vente du secteur des sciences humaines font bien pâle figure. Certes, « Surveiller et punir » de Michel Foucault s'est vendu à plus de 272 000 exemplaires, « Les mots et les choses » toujours de Foucault à plus de 222 000 et « La logique du vivant » de François Jacob à plus de 126 000. Mais ces auteurs font vraiment figure d'exception et leurs ventes se situent quand même un ordre de grandeur en dessous des meilleures ventes du secteur littéraire. En effet, dans les sciences humaines, un ouvrage qui se vend à plus de 10 000 exemplaires est déjà considéré comme un très grand succès commercial. Rien d'étonnant donc à ce qu'une maison d'édition généraliste comme Gallimard soit attachée en priorité à son secteur littéraire, dont dépend fortement sa rentabilité, voire sa survie. Je souhaiterais terminer sur la profonde ambiguïté qui règne chez Gallimard et que j'ai constatée chez tous mes interlocuteurs à propos du statut de l'histoire des sciences. Cela concerne la question de savoir où classer l'histoire des sciences d'un point de vue éditorial, au sein des sciences ou bien des sciences humaines. Ainsi, lors des entretiens que j'ai menés avec des acteurs des éditions Gallimard, à chaque fois que je posais une question sur la place de l'histoire des sciences chez Gallimard, on me répondait systématiquement à propos de la place des sciences. Comme si l'histoire des sciences ne pouvait réellement exister que comme un appendice des sciences et était donc caractérisée principalement par son objet d'étude, les sciences, bien plus que par sa méthodologie, l'histoire ou toute autre science sociale utilisée pour appréhender cet objet d'étude. Je formulerai deux hypothèses à propos de cette incapacité à penser la catégorie histoire des sciences ou à prendre une distance critique vis-à-vis de celle de sciences. La première est que l'histoire des sciences a de fait longtemps, jusque dans l'entre-deux-guerres, été écrite quasi exclusivement par les scientifiques eux-mêmes. La seconde, plus spécifique à Gallimard, vient du fait que depuis le départ du biologiste Jean Rostand en 68, plus aucun scientifique, ni aucun historien des sciences, n'a été impliqué dans les affaires éditoriales de Gallimard. En effet, si l'on se penche sur les acteurs majeurs du secteur sciences humaines des éditions Gallimard, on rencontre successivement un écrivain, Raymond Queneau, un journaliste et traducteur, François Herval, un historien, Pierre Nora, et enfin, philosophe et historien de formation, Éric Vigne. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc, sans transition, donc, Bernard Joly, donc, qui est professeur émérite de philosophie et d'histoire des sciences
Université de Lille, à UMR Savoir Texte Langage. Merci. En matière de publication, l'histoire de la chimie présente un cas étrange. Les travaux portant sur les périodes antérieures au XVIIIe siècle ont été, jusqu'à une date relativement récente, presque inexistants. Et cela, alors qu'en ce qui concerne l'histoire des mathématiques, de l'astronomie, de la physique ou de la médecine, ils étaient nombreux. Cette situation relève d'une erreur historiographique qui a conduit à opposer la chimie à l'alchimie, rejetant l'alchimie du côté de l'ésotérisme et vidant de ce fait l'histoire de la chimie ancienne de ce qui faisait l'essentiel de son contenu. Les historiens des sciences n'avaient pas à s'intéresser, pensait-on, à ce qui apparaissait comme un ensemble de théories et de pratiques échappant radicalement au domaine de la science. La France, en ce domaine, est restée à l'écart d'un mouvement éditorial qui avait commencé à se développer en Grande-Bretagne dans les années 30. C'est en effet en mai 1937 que parut le premier numéro de la revue Ambix, publié par la Society for the Study of Alchemy and Early Chemistry, créé en 1935. Il y avait d'emblée un refus d'opposer chimie et alchimie en établissant à travers les études publiées la continuité entre les deux disciplines. Le directeur d'Ambix, James Riddick Partington, mit en scène de façon magistrale cette nouvelle conception de l'histoire de la chimie dans son History of Chemistry, publié en quatre gros volumes de 1961 à 1970, qui montrait une chimie s'enracinant dans les théories de la matière des Grecs de l'Antiquité et se prolongeant dans les écrits alchimiques du Moyen-Âge et de la Renaissance. En France, il faut signaler la parution en 1922 d'un ouvrage pionnier d'Hélène Metzger, « Les doctrines chimiques en France, du début du XVIIe à la fin du XVIIIe siècle ». Cet ouvrage remarquable consacrait un chapitre entier aux alchimistes, mais ils étaient soigneusement et artificiellement séparés des autres chimistes. Cependant, en récusant la notion fallacieuse de précurseur, Hélène Metzger ouvrait la voie à une approche féconde de l'histoire de la chimie ancienne, débarrassée des préjugés scientistes et des lectures rétrospectives. Hélas, la guerre, sa déportation, son assassinat par les nazis mirent un terme à cette entreprise. Aux États-Unis, après la guerre, une impulsion fut donnée aux études historiques concernant la chimie ancienne par les importants et nombreux travaux de Alan Debus, professeur à l'Université de Chicago, et en particulier la parution de The Chemical Philosophy, Paracelsian Science and Medicine in the 16th and 17th Century en 1977, qui est à l'origine des recherches actuelles dans ce pays, sur lequel je reviendrai bientôt. Mais en France, la situation restait affligeante si on la compare avec les recherches en langue anglaise. Un exemple, en 1975, Betty Jo Deterdops fit paraître The Foundations of Newton Alchemy. Cet ouvrage renouvelait complètement le regard porté sur l'alchimie de Newton, dont on avait découvert l'existence en 1936. Une étude attentive des manuscrits et du contexte historique de leur production montrait clairement que l'intérêt de Newton pour l'alchimie ne relevait ni des égarements d'un savant à l'esprit tourmenté, ni d'un attachement secret à des thèses ésotériques ou illuministes, mais devait se comprendre en le rattachant au cœur même des travaux scientifiques du savant anglais. L'ouvrage fut publié par les célèbres Cambridge University Press. Une traduction française fut proposée en 1981 aux éditions Guitre et Daniel, spécialisées dans les ouvrages ésotériques, avec une introduction de Séverin Badefroy, qui, au mépris des travaux qu'il prétendait présenter, rattachait les recherches de Newton à la tradition ésotérique. Alors, je signalerai trois événements qui, de mon point de vue, ont marqué le renouveau des études historiques sur l'alchimie et la chimie ancienne en langue française. D'abord, en 1979, Robert Halleux publie chez Brepols, dans la collection Typologie des sources du Moyen-Âge occidental, les textes alchimiques. Pour la première fois, Robert Halleux dressait un tableau des corpus alchimiques médiévaux, en proposait une typologie et relevait les problèmes critiques attachés à leur étude. Mais en même temps, débordant le cadre historique de l'étude, il insistait sur l'identité entre chimie et alchimie, signalant pour la première fois que jusqu'au XVIIe siècle, les deux mots « chimia » et « alchimia » étaient considérés comme des synonymes. La distinction des deux termes, et donc des deux savoirs, ne deviendrait effective qu'au XVIIIe siècle. Robert Halleux donnait ainsi consistance à une conception qui serait désormais au cœur des études historiques et rendrait possible, du moins en langue française,
les recherches actuelles sur l'histoire de la chimie ancienne. À la même époque, Robert Halleux joua également un rôle essentiel dans le lancement d'une nouvelle collection bilingue aux belles lettres intitulée « Les alchimistes grecs », en publiant en 1981 le premier volume consacré au papyrus de Leyde de Stockholm, recueil de recettes des premiers siècles de notre ère, premier témoignage d'une activité alchimique dans le monde occidental. 12 volumes étaient prévus. Malheureusement, aujourd'hui, seuls 4 sont parus, ce qui signale sans doute la difficulté de l'entreprise, due non seulement au problème d'établissement des textes, mais aussi de mise en place de commentaires pertinents. Enfin, troisième point que je veux signaler, en 1982, Barbara Obritz publia aux éditions Le Sycomore les débuts de l'imagerie alchimique 14e-15e siècle. Dans cet ouvrage, malheureusement épuisé depuis longtemps, l'auteur produisait la première étude réellement scientifique des manuscrits alchimiques illustrés de la fin du Moyen-Âge, en mettant en évidence les erreurs et les impostures des publications qui, comme celle de Jung, Psychologie und Alchemie, cultivent les préjugés ésotériques. Ce sont aussi des écrits comme ceux de Mircea Eliade ou de Bachelard sur l'alchimie qui se trouvaient ainsi radicalement remis en cause. C'est en 1987 que parut le premier volume de la revue Chrysopeia, dirigée par Sylvain Maton. Au fil des années, cette publication, aux parutions certes irrégulières, a rassemblé les travaux de la plupart de ceux qui, en France, s'intéressent aux écrits alchimiques, appréhendés cependant d'un point de vue essentiellement littéraire, mais avec une rigueur et une érudition inégalées. Une collection a également vu le jour, Textes et travaux de Chrysopoeia, dirigée par Didier Kahn et Sylvain Maton, qui édite aussi bien des actes de colloque, des études, comme Alchimie et philosophie mécaniste en 2015, ou des textes anciens traduits et commentés, comme Les œuvres alchimiques attribuées à Arnaud de Villeneuve par Antoine Calvé en 2011. Pour ma part, j'ai publié en 1992 Rationalité de l'alchimie au XVIIe siècle, grâce à l'appui de Michel Blé, qui dirigeait alors la collection Mathesis chez Vrin. Michel Blé a joué aussi un rôle important dans le développement en France des études sur l'alchimie, sur l'histoire de l'alchimie, puisqu'il accueillit en 1996 dans la Revue d'Histoire des Sciences, dont il était le rédacteur en chef, un numéro spécial consacré à l'alchimie sous le titre « Théorie et pratique dans la constitution des savoirs alchimiques ». Je reconnaissais à l'époque le caractère rationnel des savoirs alchimiques, mais ce sont les travaux de Robert Halleux que je viens d'évoquer, puis ceux de William Newman et de Lawrence Principe, qui finirent de me convaincre de l'identité entre chimie et alchimie jusqu'au XVIIIe siècle. Newman et Principe publièrent en 1998 dans la revue Early Science and Medicine un article intitulé « Alchemy versus Chemistry, the etymological origins of a historiographical mistake ». Les deux auteurs américains développèrent alors une série de travaux essentiellement consacrés à la présence de l'alchimie dans les milieux scientifiques anglais et français du XVIIe siècle. Ensemble, par exemple, Alchemy Tried in the Fire en 2002, ou chacun de leur côté, Gainical Fire de Newman en 1994, The Aspiring Adept Robert Boyle and His Alchemical Quest de Principe en 1998, ou encore les travaux plus récents de ce dernier sur les chimistes français de l'Académie royale des sciences, Willem Humbert. De mon côté, j'ai publié à deux reprises des travaux du séminaire que j'ai tenu à Lille pendant 10 ans, dans la revue en ligne Méthodos, un numéro consacré à la chimie et aux mécanismes à l'âge classique en 2008, et un autre, Un siècle de chimie à l'Académie royale des sciences, de sa création 1666 à l'arrivée de Lavoisier 1768. Deux histoires de l'alchimie ont permis de récapituler les acquis des travaux de ces dernières années. The Secret of Alchemy de Principe en 2013 chez The University of Chicago Press et Une histoire de l'alchimie que j'ai publiée chez Vuibert la même année. Certes, tous ces travaux et bien d'autres n'ont pas empêché la continuation de publications sur l'alchimie de tendance ésotérique, mais désormais, l'impossibilité de séparer l'alchimie de la chimie au Moyen-Âge et à l'époque classique semble admise par tous les historiens des sciences et les responsables de revues ou de collections éditoriales. Je vous remercie. Merci. Alors, on poursuit la fin de cette salve de communication pour la table ronde avec Patrick Matagne, qui est maître de conférence à l'ESPE et
l'Université de Poitiers. Merci. Donc, pour peut-être introduire ce propos, je vais reprendre un constat qui a été fait tout à l'heure en disant que les historiens des sciences ont des provenances très diverses. Et d'où viennent-ils? Alors, donc, moi, je vais préciser d'où je viens. Je viens effectivement des sciences de la nature, de la biologie, et je viens également de l'histoire, puisque j'ai fait donc mes études scientifiques, mes études universitaires de sciences, on disait sciences naturelles à l'époque, à l'Université de Poitiers, et puis des études d'histoire contemporaine à l'Université de Tours, l'Université François Rabelais. Alors, s'agissant de la question de l'écriture, alors je dirais qu'effectivement, en tant qu'étudiant en sciences, je n'ai jamais eu l'occasion d'apprendre à écrire. On n'apprend pas à écrire quand on étudie un domaine très scientifique, en tout cas quand on est étudiant. Enfin, ça a peut-être changé. Et j'ai commencé à essayer d'apprendre. Non, j'ai commencé à essayer à me confronter à la problématique de l'écriture, effectivement, dans le cadre de mon mémoire d'histoire contemporaine que j'ai eu la chance de faire sous la direction d'Alain Corbin et donc sur l'histoire culturelle, l'histoire sociale. Alors, donc effectivement, si je reprends la question qui chapeaute cette table ronde sur comment l'histoire des sciences s'écrit-elle, alors rassurez-vous, je ne vais pas répondre à la question, mais je dirais effectivement, moi, j'ai essayé de réfléchir à moi finalement comment j'écris l'histoire de l'écologie, comment j'ai écrit l'histoire de l'écologie, puisque c'est mon domaine de recherche. Alors après, il faut effectivement peut-être localiser historiquement le moment où je suis entré dans ces premières production écrite, je dirais la toute fin des années 80 et le début des années 90 du 20e siècle. Il se trouve que j'ai eu la chance de commencer à produire ou à lancer mes propres travaux de recherche, de thèse en particulier, dans ce domaine de l'histoire de l'écologie. Donc j'ai eu la chance de tomber, je vais dire comme ça, un moment épistémologique assez intéressant où peut-être parler plutôt de l'histoire des sciences, un moment où effectivement j'ai pu m'appuyer sur des travaux assez solides relevant de ce qu'on pourrait appeler l'histoire conceptuelle de l'écologie. C'est-à-dire, je pense à, si je me limite aux auteurs français sur lesquels je m'étais appuyé en particulier à l'époque, je pense à la thèse de Jean-Marc Drouin qui était sur l'histoire du concept d'écosystème. Donc des histoires conceptuelles, j'allais dire solides, à partir de thèses, donc je pense une fois encore donc la thèse de Jean-Marc Drouin ou de Pascal Accot, de Jean-Paul Deléa, pour me limiter au français. Et effectivement, j'ai commencé à me lancer dans ce travail-là en me disant, mais quel intérêt ou quelle légitimité je pourrais avoir à écrire une autre histoire conceptuelle de l'écologie. Et je me suis lancé effectivement dans les travaux à la suite de mon mémoire d'histoire contemporaine. Sur des pratiques naturalistes, d'amateurs. Et je me souviens très bien de Jean-Marc Drouin me disant, bah oui, toi, ce que tu es en train de commencer là, c'est une histoire institutionnelle, une histoire sociale de l'écologie. Ah bon, c'était donc ça. Donc ça m'a bien un déclic qui s'est fait. Effectivement, j'allais dire, j'ai assumé, peut-être grâce à cette remarque, le fait que j'allais effectivement essayer d'écrire et d'explorer un domaine encore peu exploré de l'histoire sociale ou de l'histoire institutionnelle de l'écologie. Alors, j'en viens maintenant à ces pratiques d'écriture et en réfléchissant à cette table ronde et à cet intitulé, j'avais appelé Anne en disant je ne suis pas très inspiré par ce titre. Et le fait de dire je ne suis pas très inspiré, du coup, ça m'a permis de réfléchir grâce à la SNCF qui laisse souvent l'usager bloqué pendant des heures dans des gares. Effectivement, ça m'a permis je remercie la SNCF d'avoir contribué à peut-être structurer mon propos. Et donc, effectivement, ma propre pratique de l'écriture, alors on va dire une pratique singulière, m'a permis finalement d'identifier peut-être quatre formes d'écriture auxquelles je me suis confronté. Alors, successivement ou parallèlement, vous évoquiez tout à l'heure le fait que dans le monde éditorial de l'histoire des sciences est un monde qui est non segmenté. Enfin, je crois qu'ici, on aura beaucoup discuté de frontières ou de segmentation pour dire qu'il n'y a pas de frontières ou de segmentation. Et je pense qu'effectivement, le monde éditorial le reflète. Alors, je dirais peut-être une première forme d'écriture qui répond là aussi aux demandes ou aux attentes réelles ou supposées d'un public alors extrêmement ciblé. Je vais appeler ça écriture
voilà, la, une forme universitaire, c'est-à-dire que si je fais allusion, par exemple, ici à un ouvrage qui a été publié en 1999 par le Comité des travaux historiques et scientifiques, Origine de l'écologie. Je veux dire que là, je ne me suis pas préoccupé de modifier le style ou la forme ou les attentes qui étaient celles de ma thèse de doctorat. Finalement, cet ouvrage que j'ai sorti cinq ans après ma thèse, faisait effectivement le bilan, la synthèse d'un certain nombre de travaux, de recherches qui avaient accompagné la suite de ma soutenance de thèse, et visant effectivement, alors ce qu'on pourrait appeler un public de professionnels de la profession, c'est-à-dire des chercheurs, des doctorants, ou j'allais dire ou de futurs chercheurs. Alors, est-ce que ça marche? Alors, je vais faire de l'induction sauvage, je vais dire effectivement, oui, ça marche, parce que pas plus tard que tout à l'heure, à la pause café, j'ai été interpellé par un thésard, un doctorant qui est ici dans la salle, et qui m'a dit « Ah, je suis content de vous rencontrer parce que figurez-vous que dans votre livre de 99, vous citez un auteur, un naturaliste, ou on va dire comme ça, ou un physiologiste, dont je parle, non seulement j'en parle dans ma thèse, mais effectivement ma thèse est sur cet auteur-là, et d'après les travaux que j'ai pu faire, vous êtes apparemment le seul à avoir mobilisé cet auteur-là. Donc, comme je fais de l'induction sauvage, je vais dire, donc, ça marche, effectivement, on vise, on atteint le public auquel qu'on s'attend à atteindre, donc des doctorants, des chercheurs, donc des pairs, P-A-I-R-S. Donc ça... Voilà, donc il y a effectivement une logique, peut-être, on va dire, qui atteint son but. Alors, je dirais qu'une deuxième forme, peut-être, d'écriture qui nécessite un premier niveau de transposition didactique auquel j'ai été confronté, c'est par le biais, par exemple, d'un ouvrage donc de 2009 qui a été publié par Ellipse, la collection LMD, donc licence master doctorat. Donc là, effectivement, sur la naissance de l'écologie, là, il y a eu un premier travail de transposition, puisque la demande de l'éditeur était, bon, attention, il serait important qu'à la fin de chaque chapitre, il y ait un peu un point, une synthèse pour accompagner un petit peu le lecteur. Sous-entendu, effectivement, le lecteur, alors effectivement, les lecteurs peuvent être des étudiants, des enseignants. Alors, la frontière, une fois, n'est pas encore très nette entre la première forme d'écriture et celle-ci, mais c'est un public supposé plus large, mais... J'allais dire un public qui s'intéresse a priori à l'histoire des sciences et qui va chercher l'histoire des sciences. Troisième forme d'écriture à laquelle j'ai été invité ou confronté, mais enfin j'étais acteur bien sûr. Alors là je dirais plutôt un public qui n'est pas forcément le public de l'histoire des sciences, mais que l'on va chercher par des ruses. Je prends l'exemple très précis donc d'un ouvrage, donc, Comprendre l'histoire de l'écologie, je crois que c'était le titre, chez Delachaux et Niesley en 2002. Donc c'est un éditeur naturaliste, tout à fait clairement. Et effectivement, alors quand on... Donc là, maintenant, il est épuisé, mais quand on trouvait mon... Quand je cherchais mon ouvrage à la FNAC ou ailleurs, eh bien, j'allais chercher dans le rayon des publications naturalistes. Donc, entre Je reconnaîtrai les arbres et les différentes... effectivement, les espèces d'oiseaux, etc., etc. Donc, alors... Un lectorat naturaliste, et effectivement, les échanges que j'avais eus au moment de la signature du contrat avec Delachaux et Niesley, avec le représentant, il dit, donc, on n'a absolument pas l'intention de créer une collection Histoire des sciences, c'est one shot, si on veut, donc voilà, un ouvrage, on pense qu'il y a un intérêt de nos lecteurs traditionnels pour une approche historique de l'écologie, mais donc, on va aller... Enfin, on va, d'une certaine façon, le livre était rendu visible à ces lecteurs-là par simplement l'organisation des rayonnages dans les librairies. Alors, a priori, ça a fonctionné aussi. Alors, autant sur le plan commercial, effectivement, les premières formes d'écriture auxquelles je faisais allusion, c'est pas très, très glorieux, on va dire. Autant là, effectivement, par rapport à cette éditeur, donc il y a une bonne visibilité, il y a eu effectivement un écho important. Donc là, c'est un niveau de transposition, j'allais dire, plus important. Il y a des exigences de forme, d'iconographie, etc. Et ça m'a amené aussi
à construire l'ouvrage, pas seulement en m'adossant à mes propres recherches, mais effectivement à oser, à prendre le risque d'écrire sur des recherches qui n'étaient pas les miennes. Parce que c'était un ouvrage, effectivement, qui était censé balayer de façon assez large ce qui relevait de l'histoire de l'écologie. Et donc, il y avait effectivement à faire un effort d'écriture ou de réécriture. Et la quatrième forme à laquelle je voudrais faire allusion aussi, alors c'est celle à laquelle j'ai été invité ici par le biais de, évidemment, l'actualité, l'actualité scientifique. Et tout à l'heure, il était évoqué la notion de défi qui est à relever. Donc, effectivement, ici, Jean-Luc Terradios s'est bien lancé des défis. Et alors, les défis, effectivement, c'est de faire un travail d'écriture. Alors, on a parlé de vulgarisation tout à l'heure en ayant peut-être un petit peu peur ou un peu honte de parler de vulgarisation. Alors, c'est vrai que le terme est un peu connoté en français. Alors, la valorisation de la science, à un moment donné, on disait diffusion, valorisation de la science, pourquoi pas. Et effectivement, le défi qui était à relever, c'est d'avoir une écriture alors qui permette d'atteindre alors ce public de la culture scientifique, alors public cultivé. Tout à l'heure, vous faisiez allusion au fait qu'effectivement, quand on lit Proust, on est cultivé, et éventuellement, si on n'entend rien à d'autres domaines scientifiques. Donc, qu'est-ce que le public de la culture scientifique et technique? Je n'ai pas beaucoup d'expertise pour en parler ici, mais effectivement, j'entends bien en termes d'écriture ce que cela signifie. Donc, du coup, ça m'a permis d'écrire des articles avec ce public ou ce non-public peut-être de l'histoire des sciences. Alors, par exemple, sur le concept de biodiversité, en m'appuyant de fait sur mes propres recherches, mais aussi sur les grands voyages naturalistes. Et là, je n'ai jamais conduit de recherche sur les grands voyages naturalistes. Donc, effectivement, c'est une remise en forme, c'est un travail tout à fait spécifique qui est complètement différent. Donc, voilà. Alors, je dirais peut-être quatre formes. Alors, je n'ai pas du tout l'intention d'en faire une typologie ou de congeler cette typologie-là. Voilà, je dirais, ce sont quatre formes d'écriture auxquelles j'ai été confronté ou je suis confronté. Alors, c'est pas successivement, puisque effectivement, ma collaboration en particulier avec l'Espace Mandel France est relativement ancienne. Donc, j'étais à la fois confronté à ces écritures de type universitaire avec l'édition qui va avec, et puis à ces différents niveaux d'écriture qui imposent, oui, nécessite des transpositions didactiques, et puis enfin sur ce ciblage difficile à faire du public de la culture scientifique. Bien, merci. À tous, tous les quatre. Donc, on est dans un format très contraint, puisqu'on a déjà épuisé notre temps. Donc effectivement. On peut prendre quelques minutes. Bernadette. Bien, merci pour l'organisation de cette table ronde. Je trouve que c'est très intéressant d'aborder l'histoire des sciences par le biais de l'édition. Et je voudrais souligner deux pistes de travail qui pourraient être explorées dans des thèses ou des travaux universitaires. L'une, c'est l'histoire des sciences dans les revues, notamment les revues de vulgarisation scientifique. Je pense qu'il y a un énorme travail à faire sur Science et Vie, avec la fameuse collection des cahiers de Science et Vie qui, pendant les années 80-90, faisait des vrais manuels d'histoire des sciences sur des questions qui étaient excellentes. La deuxième, la recherche, l'évolution de l'histoire des sciences à la recherche est tout à fait captivante. Et ma deuxième réflexion, c'est qu'il serait très très important, ça a été mentionné à plusieurs reprises ce matin, de regarder, de faire l'histoire de où on place l'histoire des sciences dans les librairies. Et où on la trouve, où on ne la trouve pas d'ailleurs, parce que c'est très difficile de trouver et de savoir où on va la nicher. Et y a-t-il une niche pour l'histoire des sciences dans les catalogues de librairies? Et pareil dans les bibliothèques, mais il y a une histoire de catalogage vraiment à faire. Merci beaucoup, Barbara. Je pense que c'est, enfin, tu
pointes deux choses qui sont très importantes. Pour répondre un tout petit peu à ta question qui n'est pas sur le domaine de l'histoire des sciences, mais il y a une enquête qui est très intéressante, qui peut-être intéresser collectivement. C'est le livre de Sébastien Lemerle qui s'appelle « Le gène, le singe et le neurone », qui travaille sur les années 70-80, on va dire, sur la France, et sur ce qu'il appelle les intermédiaires culturels. Donc pas la revue d'histoire des sciences, mais justement, alors pas seulement alors la recherche, science et vie, etc., mais aussi Psychologie Magazine, etc. Et qui travaille, alors là, lui, son objet, c'était pas l'histoire des sciences, c'était en gros l'avènement d'une nouvelle figure de l'intellectuel qu'est le biologiste. Voilà. Mais en tout cas, c'est une enquête intéressante d'exploration de ce type de corpus. Enfin, j'ai trouvé que c'était très élucidant. Mais merci beaucoup. Et les librairies, tout à fait, catalogage, librairies, etc. C'est très intéressant. Oui, merci pour toutes ces interventions extrêmement intéressantes. Donc, très rapidement, deux choses. La première réflexion à propos de la question qui est la question qui identifiait la table ronde, comment l'histoire des sciences s'écrit-elle et comment s'édite-t-elle ? Dans une certaine mesure, c'est la même question, au sens où la forme sous laquelle un texte circule dans l'espace public n'est pas la forme selon laquelle celui qui apparaît comme l'auteur l'écrit. C'est-à-dire que les éditeurs, les correcteurs d'imprimerie, enfin toute une série d'acteurs qui interviennent sont très largement responsables de cette forme écrite telle qu'elle est, ces métamorphoses ne s'arrêtent pas à ce moment-là, mais on pourrait parler d'états différents du texte. Le deuxième aspect, et par rapport à ce que disait Wolf dans son intervention, pour faire état juste d'une petite expérience personnelle, un petit sondage plus ou moins sauvage que j'ai fait concernant l'histoire de la médecine, ou plutôt l'historiographie de la médecine dans les 11 premières années du siècle présent, donc entre 2000 et 2011, avec un critère parfaitement discutable, mais qui a au moins le mérite de ne pas préjuger, c'est-à-dire en prenant le descripteur de la BNF, ce qui est catalogué comme histoire de la médecine. Le résultat, très rapidement, c'est que, un, l'histoire de la médecine est le domaine, non pas en histoire des sciences et des savoirs, en sciences humaines en général, qui publie le plus, et très largement en tête. Cette décennie-là, cette grosse décennie, toujours selon le critère du descripteur de la BN, ça fait plus de 500 titres catalogués comme étant de l'histoire de la médecine. Dans cette production-là, une grosse moitié avec des médecins comme auteurs. Médecins ou profession de santé. Il y a pas mal de dentistes, par exemple, et de vétérinaires. Avec des collections qui sont créées qui ont ceci de particulier que, enfin, par exemple, la maison d'édition qui arrive très largement en tête, c'est l'Harmattan. Et il y a plusieurs collections chez l'Harmattan où on trouve un livre publié par le docteur machin qui est préfacé par monsieur le professeur docteur Bidule. Et à côté, il y a le livre de Bidule préfacé par machin. Et bien sûr, Bidule est lui le directeur de la collection A et machin celui de la collection B, ainsi de suite. Donc, il y a toute une série de croisements qui font que, à certains égards, je pense, et c'est une très longue tradition d'ailleurs, l'histoire de la médecine a des spécificités dans cet ensemble général du monde de l'édition. J'ajoute par ailleurs que dans cet échantillon, et toujours avec ce critère-là qui a son côté arbitraire, les historiens professionnels de la profession historienne représentent 15%, en gros. Après, il y a tout ce qu'on veut. Entre les médecins et les historiens, il y a tout ce qu'on veut. Moi, j'ai gardé une identité en tête qui m'a beaucoup surpris. C'était coach. Voilà. L'auteur figure, enfin, quatrième de couverture, machin, et coach. Parfait. Des photographes, des journalistes, bien entendu. Enfin, il y a tout ce qu'on veut avec les gros bataillons des médecins et la portion congrue des historiens. C'est juste pour témoigner de cette petite fenêtre sur ce monde-là.
Oui, vous avez rien dit des supports numériques, enfin des revues numériques, parce que vous avez parlé principalement et même exclusivement des livres en papier, mais nos étudiants n'achètent pas de livres. Au pire et au mieux, ils les piratent sur des sites, d'après ce que j'ai compris. Donc, quelles sont les initiatives, les perspectives, les revues même qui existeraient, en plus l'écriture d'un article dans une revue. Je parle bien d'une revue exclusivement numérique, qui n'aurait jamais été sur papier. Hein. Je ne parle pas de Cairn ou d'autres sites de ce type-là. Quelles sont les perspectives? Est-ce qu'il y a des initiatives là-dedans? Comment c'est vu par notre communauté? Oui, j'ai signalé tout à l'heure deux publications que j'ai faites dans la revue Méthodos, qui est une revue en ligne, gratuite, hein, qui est dans sur le portail de Open Edition, revue.org, avec d'après les relevés qui sont faits, des touchés impressionnants. C'est-à-dire que ça se compte par le nombre de vues sur un article, ça se compte par milliers de fois. Donc quand on est content d'avoir publié un livre qui est sorti à 200 ou 300 exemplaires, là, un article, 2, 3, 4, 5 000 touchés en un an ou deux. Donc c'est intéressant. Cela étant, ça peut poser un problème lorsque l'auteur de la thèse qui est en ligne veut publier et tombe sur un éditeur comme Classic Garnier qui exige que le texte n'ait jamais été publié en ligne. On est d'accord, Bernard, mais en fait, la thèse d'origine peut être lue par des milliers de personnes. Moi, je voulais juste faire une remarque. On a beaucoup parlé de l'histoire de la médecine depuis le début de la journée. Et il y a une dimension qu'on n'a pas du tout évoquée, c'est l'histoire de la pharmacie. Parce qu'il y a une vraie tradition chez les pharmaciens de thèses d'histoire de la pharmacie, de revues d'histoire de la pharmacie, qui est pour le coup complètement parallèle à... Autant les historiens des sciences discutent un peu avec les historiens de la médecine, autant pour l'histoire de la pharmacie, c'est complètement coupé. La personne sur laquelle je travaille a fait des études de pharmacie et j'ai découvert ce monde-là grâce à Percé qui a numérisé une partie de la... Et en fait, c'est complètement coupé, ça n'a rien à voir. Les gens je pense qu'il n'y a personne au CNU à la 72e section qui vient de ce monde-là. Enfin, c'est vraiment... Il y a vraiment... Et pour le coup, il y a une tradition éditoriale, il y a beaucoup de biographies qui sont publiées, il y a beaucoup de... J'ai vraiment l'impression qu'il y a ce monde-là à part dont on parle un peu jamais, finalement. Tout à fait, c'est très intéressant. Je crois que, Raphaël, tu as eu une étudiante qui travaille sur le bulletin d'histoire de la pharmacie, non? Non. Oui. Il existe encore, d'ailleurs, ce bulletin, ou pas? Ah oui. Il existe encore? Oui, j'ai publié l'an passé dedans. D'accord. C'est que... De regroupement sur le même espace numérique, pour le coup, dans le site de la BU Santé, qui, il y a odontologie et pharmacie, avec la revue d'histoire de la pharmacie, qui est une revue qui est comme corpus, et c'est absolument passionnant pour voir... tout à fait, absolument. Non, parce que j'ai une petite intervention rapide pour répondre à la question de Bernadette, ayant travaillé en librairie. Il y a quelques années, il est paru une revue qui s'appelle Livre Hebdo et Livre de France, qui, il y a quelques années, répertoriait les ouvrages d'histoire des sciences. Et maintenant, cette rubrique Histoire des sciences a complètement disparu. Donc, c'était pour répondre à la question. Merci.